Dans quelques instants maintenant, je crois que nous avons maintenant le témoignage de Zinedine Zidane. Bonsoir, c'est Dizou. Écoutez, Thierry, c'était quelqu'un que je connaissais, c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup, je trouvais très professionnel. C'est quelque chose qui touche bien sûr tout le monde du sport, le monde du foot surtout. Je crois qu'il est apprécié de pas mal de joueurs et puis moi aussi, donc je suis très triste. Donc je suis très triste pour toute la famille. Voilà. Merci Zinedine. Alors cette photo, Thierry l'aimait beaucoup, elle la suivait partout. Il était sur son bureau quand il était à Canal, son bureau quand il était à TF1. Il était très fier de cette photo. On le regrette pour lui, il n'a pas pu se tenir. Regardez. Ouh Zinedine, oh Zinedine, pas ça, pas du tout avec pas ça Zinedine, pas ça Zinedine. Oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Tout de suite. Échange avec Thierry Henry la frappe. Elle est dedans. Elle est dedans. C'est une personne que j'estime beaucoup. On va essayer de lui trouver une petite blague. Hein, monsieur Jardy. On l'attend, la petite blague, Franck. Viera, où est pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit. Le premier but de Ribéry. Deux pas au maximum, trois peut-être. C'est parti, la Paneca. Elle est dedans. Oui, elle est dedans. Oh là là. Oui, elle est dedans. Il faut
faut rester concentré, il faut continuer à proclamer son amour des jeux. Bref, il faut être positif. Les jeux se passent, bon dimanche. Un beau merci d'être venu. Rendez-vous mercredi pour France-Angleterre en direct sur TF1. Et n'oubliez pas la jonquille pour lutter contre le cancer. Salut.